Bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il me restait de la peinture de la dernière vidéo pour le t-shirt et donc je me suis dit que c'était intéressant de ne pas la jeter et de décorer autre chose. Donc voici un moulage de crâne en plâtre que j'avais fait il y a longtemps et c'est parti pour le décorer lui aussi. Après cette première couche de rouge, en fait, je me suis dit, bah, ça y est, en fait, c'est bon, c'est joli, je m'arrête là. Mais bon, on va quand même pas gâcher le plaisir. Au début de la vidéo, vous m'avez vu mettre le petit crâne sur un socle. C'était pour qu'en fait, il puisse faire face à la caméra. Il puisse vous faire face pendant la peinture. Pourtant, c'était une mauvaise idée car j'avais pas pensé aux coulures. Puisque du coup, elle se dirigeait maintenant vers l'arrière et plus vers le bas. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé de son socle. Et voilà, le crâne, une fois terminé, est couvert de peinture. Mais vous savez quoi, il me reste encore de la peinture. Et ouais, ça n'en finit jamais d'ailleurs. Et il me reste également un crâne, que j'avais déjà peint, mais dont le résultat ne me plaisait pas vraiment. Et bien vous savez quoi, c'est reparti pour un tour. Eh hey mec, c'est pas mal comment il nous a peint le Saligo là en bas. Ouais, enfin moi je suis pas si fan de ma déco. Mais gars, c'est pas parce que t'es noir que t'es pas beau. C'est raciste ça quand même. Ouais, enfin je veux dire on est tous beaux. Ouais, vas-y, enfonce-toi. Bref, on va arrêter les blagues nulles et c'est vrai que je suis moins fier de lui. Ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau du coup. Parce que c'est un crâne, donc théoriquement tous les crânes sont pareils. Voilà, on arrête le racisme, c'est pas bien, c'est mal, on va arrêter. Mais bref, voilà, du coup lui c'était bien le premier que j'ai fait, et du coup celui dont je suis le plus fier, malgré le fait que une fois sec et verni, la peinture reste quand même assez fade et terne. Elle perd de son éclat et j'en suis assez déçu. L'autre, ben c'est encore pire en fait, elle perd carrément plus de son éclat, et j'ai trop mélangé les couleurs, j'ai trop mis de bleu en fait, ça a fait du vert. Lui, je sais pas comment je me suis débrouillé, pourtant j'ai utilisé du bleu aussi, mais il n'y a pas de vert, donc je suis plutôt content. Ça donne une espèce de cohérence chromatique, si on peut employer des mots savants. Alors que lui, ben du coup, le noir de base, plus le rose qui est quand même bien présent, plus le bleu derrière, plus le rouge qui se mélange au rose, plus les giclures de jaune, plus du coup le vert qui s'obtient par mélange, enfin bref, c'était un gros bordel. Au final, je suis moins satisfait. Voilà, c'était les petits crânes, ils étaient issus d'une précédente vidéo que je vous mets, je ne sais jamais où et de quel côté l'affiche, mais je les avais peints et j'étais pas vraiment satisfait de la peinture, et puis surtout, lui, je l'avais jamais terminé, donc du coup, je me
me suis dit, bah ça y est, c'est bon, il me reste de la peinture. Oh, qu'est-ce que... C'est pas légal, ça. Oh là là. Bref. Il s'est pas coiffé le matin. Eh, bah, parle pour toi, t'es mort, t'as pas de matin. Ouais. J'aime bien les faire parler. Salut. Ouais. Bon, bah, j'espère que la vidéo vous a plu, malgré cette outro... Nulle. Bref, trêve de plaisanterie, je vais les poser par terre parce que je crois que je vais finir par les casser. À présent, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de souscrire à une très très bonne soirée et de passer un agréable abonnement sur la chaîne. Je sais encore pas de quel côté il est le bouton s'abonner, mais abonnez-vous quoi, ça fait plaisir. Et partagez la vidéo. Salut.